Hey, salut à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Pro Evolution Soccer. On retrouve la carrière de Jean-Michel et oui, notre ami Zerminio. J'espère que vous allez bien. Alors, après des offres âprement discutées, bon, il n'y a pas eu beaucoup de votes. Je suis un petit peu déçu, je pensais que les gens auraient donné un peu plus leur avis. Mais c'est quand même d'une voix Lyon qui a gagné et l'Europa League pour le transfert, donc on ne restera pas à Toulouse. Sauf que je viens de voir un petit truc. Voilà, liste d'offres. L'Inter voudrait nous engager pour 2 ans. C'est l'Inter, c'est l'Italie quand même. Je voulais jouer la Roma. On pourrait jouer avec Gabriel Martins. Tiens, Icardi remplaçant, c'est quoi ce bordel? Pourquoi ils ont mis Icardi remplaçant, les mecs? Le mec, il a 85, quoi. Faudra m'expliquer. Donc, alors le problème, c'est qu'ici, on jouerait ailier. Donc un poste différent. Après, ce que je peux comprendre, c'est possible qu'on nous mette à la place de Biabiani, qui est plus bas que nous en termes de stats. Ça pourrait être l'idée. Après, on pourrait nous mettre peut-être en second attaquant. Ça peut être une autre idée aussi. Franchement, c'est une équipe qui a de la gueule. Alors le problème, c'est que je ne sais pas ce qu'ils jouent. Merde, je vais regarder ce qu'ils jouent. Parce que s'ils jouent la Ligue des Champions... Ah, les mecs jouent la Ligue des Champions, je pense. C'est ça que ça veut dire. Alors, j'avais dit, bim, comment on voit ça, les qualifiés. Info de compétition. Où est-ce que c'est là? Je pense que voilà, on a les qualifiés, donc on a Monaco. Qu'est-ce qu'on a? Eh ouais, il y a l'Inter. Il y avait bien l'Inter et la Roma. Ah, le choix de l'Inter pourrait être quelque chose d'intéressant, donc finalement. On pourrait aller briller avec l'Inter. Ce qui fait qu'on aurait plus de chances d'aller loin dans la Ligue des Champions avec l'Inter qu'avec Toulouse. Ah, ça peut changer la donne. Alors que tout le monde avait voté pour Lyon, je pourrais prendre tout le monde à contre-pied. Et aller jouer les équipes françaises. En plus, on nous engage pour 2 ans et pas 1 an. Ah, j'avoue que là. La réponse de l'Inter était inattendue. Alors que la Roma m'a refusé, je suis étonné que l'Inter m'ait dit oui. Ben, vous savez quoi, j'ai envie de dire oui. Pourquoi ne pas aller briller cette année en Ligue des Champions? Après, le salaire, c'est sûr qu'il est. Si on était en vrai pour 1 an, on a quasiment la même somme. Mais le choix du cœur, aller jouer avec Icardi, ça pourrait être sympa. On n'a pas encore été joué en Serie A cette année, vu que je suis parti avec le gardien. Oui, on est en Ligue 1. Là, on sort de Ligue 1. L'Italie pourrait être intéressante pour nous. Moi, je dis, allez, on tente. On tente, on va voir. Hop, le contrat est signé, donc il faut que je passe. Mais c'est très fortement intéressant. Non, c'est de l'offre alléchante quand même, qui ça se refuse pas. On va pas se mentir. Oh, le maillot de l'Inter, Jean-Michel à l'Inter. Ah, j'y peux rien en Italie. L'Inter, c'est quand même une équipe que j'aime. Un nouveau chapitre de votre carrière commence. Avec ce bruit de crampons, ça me fait toujours flipper. Ah, on nous souhaite la bienvenue, gna gna gna. Et on est direct titulaire. Bah, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu veux de plus? Franchement, t'arrives, t'es titulaire. Bon, le seul truc, c'est qu'il n'y aura pas toutes les licences, il me semble, en Italie. Mais si je me trompe pas. Alors, info sur mon équipe, on va regarder juste avec le calendrier. Normalement, les trois quarts des équipes ont leur truc, hein, donc il n'y a pas de problème. Ah ouais, on a de la France, Uruguay, France, Italie. Ouais, voilà, il y a Benvenuto Calcio. Et Carina, ouais, mais c'est ceux qui sont montés, ça. Napoli, Inter, Chievo, Vérone. On va rejouer le Blazer. Ouais, ça va, en Serie A, ils ont la plupart. Eh ben, ok, moi j'ai envie de dire, on est parti pour notre premier match sur nos nouvelles couleurs. Et ben voilà, j'ai pris tout le monde à revers. Tout le monde s'attendait à ce que je joue. Pour
pour Lyon. Alors, en tout cas, c'était les votes. Alors, je suis désolé, je vous ai pris carrément un verre. Ah, je pourrais jouer en second attaquant, à moins qu'il ait changé. Et non, je joue second attaquant, c'est bien ce que j'avais dit. Ce qui peut être intéressant, hein, parce que je pense que j'ai le reflet de ce poste. Je pense que je peux jouer autant milieu offensif, mais vraiment très offensif. Et comme on a vu la saison dernière, j'ai énormément marqué. Alors, en tout cas, sur la deuxième partie de saison, j'ai été plus buteur que passeur, donc ouais. Donc c'est la coupe, voilà pourquoi c'est Gabriel à la place de Icardi, hein. C'est comme ça que je vois les choses, parce que je vois qu'il y a eu des petits remplacements. Mais on va jouer quasiment avec l'équipe type, donc on est parti. Donc vu que c'est la période un peu transfert, peut-être qu'on fera qu'un match sur cette vidéo, du fait que sinon on va peut-être beaucoup dépasser le temps que j'ai pris mon choix, le temps que j'ai réfléchi à savoir si je partais à l'Inter ou si je respectais le Stropole. Mais c'est comme ça, le Stropole c'est pour faire croire en fait. Non mais on vous fait croire qu'en vrai vous avez le sentiment de contrôler la carrière de Jean-Michel. Mais Jean-Michel est un être. Voilà, qui a le droit de prendre ses décisions. Faut le comprendre. Merde, c'est vrai que c'est de l'autre sens, moi. Je suis con. Je me mets en défenseur, moi. En plus, l'avantage de second attaquant, c'est que j'aurais pas trop besoin de descendre. Donc ça, c'est bien, mais il va falloir faire confiance à la défense de l'Inter. Merde. Bah, première passe ratée. Bah ouais, c'était un peu difficile, j'avoue. Mais j'ai voulu tenter. Alors on joue 18, ouais, c'est pas un numéro qui me fait chier. Hop, j'ai récupéré ma boulette. Oh dommage. S'il laisse filer ce ballon parce qu'il s'y attend pas. Alors excusez-moi, je parle un peu du nez. J'en suis désolé. Mais crise d'éternuement juste avant d'enregistrer. J'avoue que c'est pas cool. Et donc, si je me trompe pas, c'est un match de coupe, hein. Ah, ça me fait bizarre de revenir avec le maillot de l'Inter. Ça me rappelle l'époque Chiuso. C'est super bizarre. C'est très très bizarre. Merde, j'ai pas eu le temps de faire mon crochet. Désolé les gars, désolé. Oh là là, en plus le mec il est pas hors jeu. Oh là là, j'ai failli faire la boulette du siècle d'entrée. Je me serais fait sortir. J'ai raté, j'ai voulu crocheter, voilà, j'ai voulu trop en faire. Bon, le truc c'est qu'il faut que je prenne mes marques, hein, j'avoue. Faut me laisser quelques matchs. En ce début de match, on assiste à un petit round d'observation, mais c'est Ah tout à bah fait ils font logique. pareil. S'il le trouve, bonne interception, il y avait danger. On n'a pas encore eu Ça une peut être occasion. Hein. extrêmement dangereux. La dinguerie du Bien fait truc. Kondogbia, qui récupère ce ballon. Alors, que va-t-il faire? Ah mais non les mecs. Oh je vous ai Voilà choisi une pour me bonne faire occasion en plaisir. Hein. contre. Il Pas pour choisit la me passe longue. retrouver avec pire que l'équipe de Toulouse. Non mais je Puissant. sais que l'ordi Ah, c'est c'est pareil, il a besoin intercepté. de se chauffer un peu. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Voilà ce que je pense moi. Il tombe au sol Ah plus fort que putain, lui. 2 contre 1. J'ai aucune solution de passe parce que les mecs sont loin derrière L'Inter moi et que le tient mec il me toujours couvre à créer l'angle. le moindre danger pour le gardien adverse. Gabriel. C'est bien fait ça. Non, pourquoi je la touche pas? Ricardo Alvarez. J'ai pas compris là. Il m'a Il cherche dégagé le ce ballon, ce profondeur. con. Il écarte. Bon, c'est bon, elle est sortie. Ah non, c'était 6 compliqué. mètres. Bon, on est à la 25e. On a encore du temps devant nous. Mais genre, moi, je peux rien Il essaie faire. de repartir de C'est derrière. sérieux le jeu? Ricardo Alvarez. Bon, C'est je vais essayer de pas puissant vous sur donner la lui. gerbe là, tourner comme ça. Sur le côté. Allez, encore un 6 Ballon mètres. perdu. On va pas se faire sortir au premier tour avec l'Inter quand même. Bon, vous me direz, on est à l'extérieur aussi.
Santon qui cherche à construire. D'Ambrosio. La passe dans la profondeur. Bien joué ça. Ah, ça va chercher le corner. Non, mais ça va chercher parce qu'on n'a encore rien tenté. Il fallait. Je pense que j'avais pas mieux à faire parce que là, je peux pas centrer. Je suis mal placé. Oh, si, il apprend. J'ai carotté tout le monde en attirant la défense. Kondogbia, GG à toi. Quel sang-froid quand même pour échapper à la défense et conclure cette action. Voilà, il a bien coupé au premier poteau. GG. Moi j'ai attiré une partie de la défense. Là, j'aime bien les faire chier comme ça. Voilà, je me disais bien, première action, comme quoi, le petit corner que j'ai été chercher. Voilà, il vaut mieux être réaliste finalement. Voilà, déconnez pas. Oh là là. On n'a pas de réussite. Hein. Oh, je croyais que c'était le gardien, c'était le défenseur. C'est bon, j'ai eu peur. Franchement, j'ai eu peur, je dois l'avouer. Santon qui a de la liberté. Et il n'arrive pas à se rapprocher. Mais non. Ah, c'était trop mou. Je l'ai vu. Puis il s'est enfoncé. Au lieu d'élargir sur l'aile, non, il s'est enfoncé derrière le défenseur. Qui mène toujours au score alors qu'on s'approche de l'habitant. C'est ça le truc. Ça manque un peu de solution. Ouais. Non. Oh, il y avait moyen de l'avoir. Oh, j'y crois pas. Deux fois. Luis Muriel. Cette possession un peu stérile. Il joue en profondeur. Ben, ça déconne quand même parce que on avait de quoi faire là-dessus. Voilà, 1-0 à la mi-temps, on a retourné le match, c'est déjà ça. On commence bien. En plus, on a été... On a été là, c'est plutôt équilibré, hein. Deux tirs pour un tir cadré, des deux côtés. Malheureusement, on a été plus réaliste. On va pas se mentir, on a fait le taf. Non, j'ai pas le temps, je le vois en plus arriver, mais le temps que je fasse le contrôle et tout, c'est déjà trop tard. Ça déconne grave. C'est pas bien. Allez les mecs, va falloir briller là si on veut aller en Ligue des Champions. Il y a quoi? Il y a 6 mètres. Rio. Mais ça fait plaisir de pouvoir aller jouer la Ligue des Champions avec une équipe qui tient la route. Peut-être qu'on la gagnera, qui sait. On l'avait fait avec... Oh, c'était vicieux. J'avais essayé de me servir du mur qui était devant moi. La Sampdoria qui peut construire. Ricardo Alvarez, il met le pied, ballon récupéré. Hop, allez mon grand. En tout cas, on a été plus incisif que Hector. Alors, que va-t-il faire? Ah mais non, il se fait piquer le ballon. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué, il y avait une belle contre-attaque là à jouer. Oh, les mecs sont à deux aussi dessus. Brozovic. Qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Il récupère le ah mais non, putain, mais t'as vraiment le temps de rien faire. Les mecs, ils pressent à mort. Par contre, ouais, il faudrait peut-être se mettre devant, là. Ouh là là, le gardien. Ça devrait être lui, l'homme du match. Ça risque d'être Kondogbia si ça reste comme ça, mais... Le mec, il est là. Voilà, on va aller mettre la tête, parce que ouais, là, ça sentait le danger, quand même, mine de rien. Ça c'est pas bon les gars. Oh le gardien. Le gardien est là. La qualité du marquage est à souligner quand même. On dirait qu'ils essaient de le déstabiliser, de l'énerver pour le faire craquer. Espérons qu'il va savoir garder ses nerfs. Ah mais vous êtes sérieux? Perdre ses ballons sur les ailes. Bon je dis ça, j'ai commencé comme ça. Mais bon là on est à une heure de jeu, c'est bon, on est un peu plus chaud. Je veux pas dire, mais les mecs, ils ont plus de facilité que nous là-dessus. Oh le tacle, mais quand je le dis que c'est ouf. Le mec, il est arrivé, j'ai même pas le temps de savoir qu'il est là.
J'ai pas encore joué le ballon que le mec il est déjà en train de me tacler. L'Inter se dirige tranquillement vers la victoire dans cette rencontre de la première journée du championnat. Ah, je suis hors-jeu. Et ce ballon vers ses attaquants. Ah bah oui, je suis L'assistant hors-jeu. sur Ah, un je l'ai pont. dit. Le mec il me fait la passe alors que je l'ai dit que Cette j'étais hors-jeu. passe, Je bien sûr, revenais. mais surpris tout le monde. Et son coéquipier était hors-jeu de quelques petites centimètres. Ouais, vraiment pas beaucoup. Hein. Deux, trois poils de Encore un fion. changement alors que le précédent venait tout juste T'as de se 142 produire. mètres, quoi. On a Le trois nouveau fois créatif qui le entre, ce deuxième. n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Ah, j'ai voulu les tenter. C'était mon seul choix, je pense. C'était peut-être pas le Une occasion meilleur, mais. réelle. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre. On se dirige doucement vers une courte victoire, mais attention quand même. Ah, courte, mais victoire quand Joseph même. Kondogbia, qui a su, on l'a vu, tromper la défense adverse. Voilà, j'essaye de carotter, Le jeu voilà. repart vers la droite. Putain, mais lâche-moi les jambes, putain, les mecs sont oufissimes! Oui, ça pouvait être dangereux, il fallait impérativement l'arrêter. Putain, en plus, c'est moi qui la touche, quoi. Mais sans mentir, les mecs, ils sont ouf, hein, ils te posent le pied direct dessus. Il est sorti du jeu. Ah merde, j'ai pas réussi à la refaire taper sur lui. Je vais me mettre là parce que voilà, je le sens pas. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Et le Ouais, la centre du Sampdoria, les Gattuso mecs ouvre la sont. frappe. Oh là là, non, l'égalisation! Mais non, les mecs! Ils reviennent dans ce match à un bon moment. La défense était bien présente, mais il a trouvé une brèche. Non, Quelle oh, mais c'est bien puissance vu, de rien à frappe. dire. Pourtant, la Va falloir en défense a mettre un fait tout deuxième, ce il qu'elle reste a un quart pu, d'heure. mais il est inarrêtable. On gagnera pas sur cette Et ça courte repart du pont central, égalité parfaite. marge. Et voilà, ils ont égalisé. On va voir maintenant s'ils gardent cette dynamique. Ce ballon bien dosé. Oh, la grosse occasion! Ah, j'ai pas le pu. Les deux J'ai pas équipes réussi à doivent le faire passer. attention au contre maintenant. Dommage. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Allez, mettez les pieds, les Passe gars. en retrait vers son défenseur. Allez, c'est touché là. Faut Allez, il pas les faudrait laisser aller de l'avant jouer. maintenant. Long ballon. Il Ah, il la force met le en retard. touche. Ah, les mecs sont chauds patates. L'Inter qui procède à un Ah, changement. Martins qui Il prend était notre fini, place. crevé, cabot comme vous dites. Bah, j'avoue Quel qu'on n'avait coup plus beaucoup facile. de stamina. Oh, le petit ballon piqué. Attention au centre. Bon, qu'il fasse pas de Qui est boulette quand premier même. sur Hein. ce ballon? Il y a du jeu, il Donc, y il a va du falloir dynamisme. s'habituer légèrement au Malheureusement, ça poste reste stérile. de second attaquant. Je ne Et suis pas Chiellini habitué, je contrôle ce l'avais dit. ballon. Putain, mais il y Ah, a mais quel dommage aucune qu'il passe touche, qui il n'y arrive. arrive pas. Ça, c'est vrai, hein. Ça veut pas. Hein. Pour Voici l'instant. Gabriel Barbosa. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être Ah, bah là, patient c'est et pas le moment de saisir s'en sa prendre un. chance. Oh là là, mais ça veut pas. On passe pas leur rideau S'il reste. défensif. Et ça y est, le Bon, coup c'est bon. Quand décisif même, dit match la main de nul. Premier l'arbitre. match, on arrive. Ils C'est espéraient déjà bien pas sûr mal. repartir avec la victoire, repartir avec les 3 points. Finalement, ils n'en auront qu'un. Ce n'est pas bien grave, hein, c'est que le début de la saison. Alors dites-moi, dites-nous, Ah, ils ont qu'avez-vous un pour tir faire de ce plus. match? Hein. Bon, il n'y a pas de quoi Ah, bah s'affoler, c'est finalement, ce toujours sera une bonne note. Muriel. On a un petit Merci 6. Darren, tu l'as Il n'y a dit, que on fait ce qu'on Kondogbia, veut je avec l'avais vous. dit qu'il y aura Merci à 7. vous surtout de nous avoir accompagnés. On se retrouve très vite pour du football. Mais c'est pas grave, c'est la chauffe. Bon, après, c'est le problème, c'est qu'on joue. Ah non, c'est la journée, c'est la première journée. Oh, bon, ça va. Bon, c'était à l'extérieur, ça aurait été mieux de gratter les 3 points d'entrée, mais. Mais ok. Non, mais si c'est ça, ok, je pensais que c'était coupe. Je me suis dit, ouais, on va se faire sortir quasiment direct si ça continue. Donc non, c'est pas trop grave. On est plutôt dans le correct. Comme j'ai dit, en plus, nous, on est un petit jeune, on a à peine 19 ans. On a l'avenir devant nous. On a quand même déjà un bon passif derrière nous. On n'a pas à se plaindre. Alors la question, ouais, c'est qu'on a vu les matchs. Mais vu qu'on a vu les matchs, donc ça veut dire que le jeu sait qu'on est déjà qualifié de toute façon. Là, qu'on est sélectionné. Donc on jouera les prochains matchs. Hein. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est sûr. Ouah, le mec Dybala, les mecs qui sont premiers, donc le mec il a déjà mis 3 buts. Baybek aussi a déjà mis 3 buts, mais c'est des malades. Lewandowski en a mis 2. Vous êtes des ouf, les gars. Donc l'Inter compte sur nous, je pense, parce que quand je vois ça, qu'on nous balance ça, putain, le prochain match c'est l'Inter, c'est le Milan à l'extérieur. Bon, ce sera un peu chez nous, mais bon, c'est quand même à Milan. Donc ça fait un peu chier, on commence sur du lourd, alors qu'on aura la Ligue des Champions normalement le 27, à moins que ce soit le tirage, je pense que ça peut être ça.
On verra peut-être le tirage de poule, on verra avec qui on va tomber. Ce serait marrant qu'on tombe avec Toulouse. Je sais pas pourquoi, je trouverais ça super fandard. Parce qu'après, si on tombe contre le PSG ou Monaco, bon bah ce serait pas spécialement exceptionnel, mais contre Toulouse, ce serait assez marrant d'être dans leur poule. Imaginons en plus que ce soit de notre faute, on les élimine, on les fasse sortir. Ce serait bizarre, ce serait ironique. Mais on a fait le choix de partir pour l'Inter, donc on va assumer ce choix jusqu'au bout. On va essayer d'aller loin. Je pense que on a quasiment 80 en stats. On a largement les stats pour jouer en Ligue des Champions. Sachant qu'au fil de la saison, on va gratter quelques points. Donc on pourrait se retrouver d'ici la fin de saison vers tour de 82-83, c'est une possibilité. Donc on entrerait dans la poule des gros joueurs. Donc il y a de quoi faire. En tout cas, une saison avec l'Inter en bleu et noir, voilà ce qui nous attend. Voilà comment j'ai pris tout le monde à contre-pied. C'était vraiment l'offre que j'avais balancée comme ça avant la dernière sauvegarde. Et il s'est avéré que bah, l'Inter était d'accord. Je sais pas, l'Inter et moi, ça doit être une grande histoire d'amour finalement. Je sais pas, il y a une petite alchimie entre moi et cette équipe qui fait que bah, ils m'aiment bien. La Roma m'ont éjecté direct. Même Monaco et PSG m'ont éjecté direct. Ils ont dit non, ferme-la. J'ai fait des demandes, hein, je l'avais dit, donc j'ai vraiment demandé un peu partout. Et la plupart m'ont dit va te faire voir, pour rester poli. Hein. Ils m'ont dit Jean-Michel, le mec là? Ouais, il est un peu sur une pente descendante en ce moment, hein. C'est pas trop le joueur chaud chaud chaud. Donc j'espère que bah, avec cette équipe de l'Inter et la Ligue des Champions, je pense qu'on les fera mentir. Qu'on leur montrera qu'on peut aller loin, qu'on peut emmener l'Inter loin, et si possible, bah, plus loin que les équipes françaises, histoire de leur montrer que bah, peut-être ils auraient dû compter sur Jean-Michel pour aller loin. La petite force en plus. Donc nous, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que vous avez passé un bon moment. La vidéo est certes légèrement plus courte, mais c'est pas trop grave. C'est souvent comme ça quand il y a les systèmes de transfert. Je préfère mettre qu'un match parce que sinon on aurait énormément dépassé. On a pu discuter un peu de toute façon rapidement. Ça fait toujours pas de mal. Et donc, bah, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme toujours. Je vous retrouve très vite pour la suite de Jean-Michel, pas des Jean-Michel, non. Non, déconne pas. Pour voir où cela va nous mener, où cette année, si elle sera prolifique ou désastreuse, je pense qu'on devrait plutôt bien s'en sortir. Je l'espère en tout cas pour nous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.